Surprise! Il y a quoi? Ma chérie, confirme les merveilles de Dieu. Il y a eu quoi? Il m'a gâté. Qui? Il m'a gâté. Diamant. Et en plus, il dit qu'il a de jolis grands projets pour moi. Quel projet? C'est ça que tu appelles projet? Les chinoiseries ici. Donc, tout ce qu'il y a, c'est seulement ça qu'il a trouvé pour t'acheter. De toutes les façons, ce qui m'intéresse sont les projets qu'il a promis pour moi. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Diamant. Diamant. Qu'est-ce que Diamant fait de la vie pour t'offrir tout ça? Les chinoiseries, même comme ça là. Il m'a dit qu'il est propriétaire des stations de service d'essence. Il a quel âge? Il a 35 ans. Hein? Il vit où? Il vit à Denver. Ah. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Jusqu'il te bombarde avec les cadeaux comme ça là. On s'est rencontrés, ça fait juste quelques jours. Les enfants préférés de Dieu, nous sommes venus sur terre vous accompagner. Ça veut dire quoi? Ah non, je parlais à mon téléphone. Je voulais juste te dire que je suis très contente pour toi. Je suis fière que tu aies trouvé quelqu'un qui t'aime. Hein? Et qui reconnaît ta valeur. Merci. Je m'en vais chercher un verre d'eau, j'ai soif. D'accord. Je suis très fière pour toi. Le gros lot. Nous sommes venus sur terre vous accompagner. Nous voici ici, belle, je n'ai personne. Toi, c'est ton mari, tu as quelqu'un. Tu m'as pas apporté aussi un verre? J'ai oublié. T'inquiète pas. J'arrive, je vais un peu descendre, je vais à la boutique. Tu sais, depuis le matin, j'ai pas mangé. Je vais acheter quelque chose à manger. D'accord. J'arrive. Je suis trop fière pour toi. Bisous encore. Je suis trop fière de toi. Il te manque pas. Tu as chopé le gros nom. Ah! Oh maman, je le dis. Ah, c'est trop bien. Je suis trop fière pour toi. Ah, ma soeur, je t'ai toujours dit d'être patiente. Mais le bon mari. Pourquoi? Je pense que c'est quand même trop tôt. Laisse ça. Laisse ça. Tu as toujours peur. Voilà, voilà un bon gars pour toi. J'arrive. On va causer de ça. Oui, c'est Diamant l'appareil. Oui, c'est bien moi. Qui est-ce? En fait, c'est Dora, la copine de Manga. Celle à qui vous avez offert plein de cadeaux tout à l'heure. Ok. En fait, je voulais vous dire de faire très attention. Car le mari de Manga vous suit discrètement et vous accuse de vouloir détruire son foyer. Et d'ailleurs, elle a copieusement été battue et défigurée par lui pour ça. Attends, Manga m'a dit qu'elle n'est pas mariée. Hey! Hey Manga, la fille la manque jusqu'à... Elle manque comme elle respire. Regardez, si ça ne vous dérange pas, je peux venir chez vous pour vous expliquer en détail. Comme ça, vous allez croire. C'est mon amie, non, je la connais. Ok, venez à Denver, rue Home, villa C3. D'accord, je viens tout de suite. À tout à l'heure. Une proie qui se livre toute seule. Voilà. Un coup de fil et le tout est joué. Hey, Sainte Marie. Voilà. Oh
J'ai confiance en toi, Dora. Il est à toi. Fais tout pour l'avoir. Il n'y a pas de problème. D'accord. La chose à voir? Ah oui, oui. D'accord. Mais vous ne servez pas dans les verres. Non, c'est encore meilleur dans la tasse. Attends, Ange. Je sais que tu n'aimes pas l'alcool, mais il faut faire un peu d'effort pour accompagner la belle Dora. Vous parlez à qui? Ne t'inquiète pas, c'est Ange. Ange? Qui est Ange? C'est pas important. Vas-y, tu m'as dit que Manga est marié. Manga. Manga. Oui, c'est juste que son mari la dérange. Donc appelle Manga, tu parles avec elle, c'est une bonne fille. Et vous êtes bien mal. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Ah non, mes pieds me font un peu mal. Donc quand je me lève comme ça, c'est pour t'amener mes pieds. Pardon. Manga, tu dis qu'est-ce qui s'est passé, maman? Ça fait 2 jours qu'on cherche Dora, on la retrouve pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est sortie de la maison comme d'habitude. Elle m'a dit qu'elle allait en fac. Et quelques heures après, je l'ai appelée. Elle était indisponible. Jusqu'à présent, elle n'est pas joignable. Mais ça ne peut pas relever de la sorcellerie. Tu nous dis la même chose depuis et rien. Écoutez les filles, on va pas se décourager. Oui. Dora.
Qu'est-ce que tu fais ici? Oh my God. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a violée. Qui? Il m'a violée. Je voulais juste te saluer. Il m'a appelé pour me saluer. Et il m'a violée. Qui est? Mon gars. Mon gars. Viens.